Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Excel dédié aux fonctions SOMSI qui va nous être utile pour calculer le nombre d'heures travaillées par mois. Nous commençons par la plage, en l'occurrence le mois, puis nous sélectionnons le critère, à savoir le mois de janvier de 2014, et enfin la plage des données, le nombre d'heures. Je vais y mettre ensuite les dollars nécessaires à la recopie vers la droite. Puis recopier ma fonction jusqu'au mois de décembre. Je vérifie que mon total correspond bien au total du tableau, à savoir la colonne I. Je peux passer à la fonction SOMSIENS qui va nous permettre de sélectionner deux critères, mais on pourra en mettre plusieurs. Encore derrière, là j'en ai deux. En l'occurrence, on va sélectionner dans le premier temps le total brut, donc qui va nous servir de référence. Donc la plage de la somme, puis le premier critère, à savoir le service, et donc qu'on raccorde à la cellule de gauche. Puis le deuxième critère, à savoir le mois, que l'on compare à la cellule du haut. Voilà. Pour le mois de janvier, 6756 euros pour le service commercial. Je mets les dollars qui vont me permettre de recopier cette formule en bas puis à droite sur la totalité du tableau. Bien faire attention à bien mettre les dollars là où il faut, surtout sur la dernière cellule. Je recopie vers le bas, puis vers la droite, pour couvrir l'ensemble du tableau. Le tableau se met à jour automatiquement. Le total correspond au total de ma base. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette fonction vous sera utile. À bientôt, au revoir.